Afghanistan, juillet 1988. Deux jeunes Suisses, Olivier Brodard et Paul Castella, effectuent un périple humanitaire pour apporter leur soutien au peuple afghan, alors en guerre avec l'Union soviétique. Après avoir franchi clandestinement la frontière pakistanaise, ils effectuent une marche de 20 jours avec dans leur bagage 50 000 dollars destinés à aider la population locale. Ils remettent l'argent en main propre au commandant Massoud, puis décident de rester auprès des Moudjahidines pour témoigner de leur quotidien. Pendant 4 mois, ils voyagent dans le nord du pays et sont les témoins privilégiés de la lutte afghane contre l'occupant soviétique. Armés de leurs seuls appareils photo, ils prennent un grand nombre de clichés. De plus, Olivier rédige quotidiennement un carnet de bord très détaillé. À 21 ans, pour Olivier Brodard, ce voyage est une véritable révélation et change à jamais son rapport au monde. Quelques années plus tard, Olivier est victime d'un terrible accident de la route. Après plusieurs semaines de coma, il finit par se réveiller. Olivier Brodard se retrouve amnésique. Pour reconstruire son identité, Olivier plonge dans le passé. Et un événement refait petit à petit surface, son voyage en Afghanistan. Après avoir suivi une formation de menuisier, Olivier Brodard effectue son service militaire. À cette occasion, il va faire une rencontre qui va bouleverser le cours de son existence. À l'armée, dans la formation de caporal, pour les premiers secours, c'était Azizullah, Paul Castella. Il était déjà allé en 87 en Afghanistan pour une association suisse d'aide à l'Afghanistan. Mais cette association suisse d'aide à l'Afghanistan, normalement, elle envoie l'argent toujours par banque, par chèque. Et puis là, elle a dit non, je préfère aller avec l'argent sur place. Il habitait juste à 300 mètres de chez moi, à Saint-Aubin. Puis de temps en temps, je vais le voir. Et puis j'ai posé la question une fois, si je retourne en Afghanistan, je vais bien avec lui. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais partir, tu peux m'accompagner. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé.
J'étais membre d'une association qui travaillait justement sur la question de l'Afghanistan, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de l'aide, minime, modeste, bien entendu. C'était une association, j'allais dire, de quartier. Donc, en fait, lui était nouveau. Bon, nous connaissions déjà Paul Castella, avec qui nous avions déjà eu des conversations sur l'Afghanistan. Et un jour, il est arrivé avec son jeune compagnon, parce qu'il savait que Micheline et moi, on connaissait bien l'Afghanistan, on y avait vécu plusieurs années, on s'intéressait particulièrement à ce qui s'y passait, et le contexte international du conflit. Olivier Brodard, nous l'avons rencontré en 88, avant son voyage en Afghanistan. Il est venu avec Paul Castella, il voulait nous présenter, si on veut, le compagnon avec lequel il allait en Afghanistan. Quand on envisage ce genre de voyage, qui est plus une ambition qu'un projet, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, c'est important de partir avec quelqu'un en qui on puisse avoir confiance, sur lequel on puisse se reposer. Et lui était vraiment la personne idéale. Beaucoup de personnes venues d'Occident, comme disait le commandant Massoud, passaient clandestinement en Afghanistan pour plusieurs raisons. Il y avait des idéalistes qui voulaient soutenir et manifester leur sympathie à des combattants de montagne luttant contre l'armée d'une superpuissance. Il y avait des journalistes, il y avait des humanitaires, les fameux French doctors. Il y avait aussi des personnages aux missions et aux fonctions moins clairement définies, agents secrets, observateurs et conseillers en tout genre. Pour Paul et Olivier, l'objectif du voyage est clair. Amener en main propre au commandant Massoud de l'argent destiné à aider la population victime de la guerre. C'est une destination risquée, c'était la guerre, on en parlait dans les médias. À l'époque, vous savez, l'Union soviétique était encore une puissance redoutable et les combats en Afghanistan étaient très durs. En 1988, c'est une année cruciale effectivement pour le conflit afghan. Les troupes soviétiques étaient encore en Afghanistan, la résistance se renforçait et les accords de Genève allaient être signés cette même année, prévoyant le retrait des troupes soviétiques, mais pour l'année suivante. Et on n'envisageait plus guère une victoire des troupes communistes de Kaboul ou des soviétiques. Afin de préparer au mieux ce premier voyage hors de l'Europe, Olivier se documente sur la situation politique et la vie en Afghanistan. Il enregistre et regarde les reportages et documentaires diffusés à la télévision durant les mois qui précèdent son départ. De temps en temps, je pense, il y avait des reportages. Je les enregistrais quand c'était en semaine, je les enregistrais à mes parents, comme ça je pouvais, entre parenthèses, m'éclater le week-end en regardant ces reportages. Je pense. Ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est tout à fait possible. C'est que... Je pense rien que d'avoir vu déjà du paysage aux nouvelles, après les journaux, ça m'avait attiré. Olivier, c'est quelqu'un qui se prépare, c'est quelqu'un qui est organisé. Et effectivement, le fait que lui-même ait visionné des émissions, ait lu des articles et des livres sur le sujet, moi, c'est justement ce genre de choses qui donnent la confiance. Yeah.
Durant les dernières semaines de préparation, les deux amis tentent de rassembler un maximum d'informations, tout en restant le plus discret possible quant à la véritable destination de leur voyage. Donc ils partaient à ce moment-là, en juin 88, et ils sont venus nous voir peu avant. On savait un peu par où ils allaient passer, donc on a pu donner aussi un certain nombre d'indications pratiques et autres à Olivier Brodard. Les clandestins qui passaient en Afghanistan passaient par différents endroits, hein, mais beaucoup de jeunes Européens passaient par le Chitral pakistanais. J'imagine il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine comme ça, d'Européens qui sont partis pendant cette période très très difficile pour témoigner, pour aider, pour apporter aussi et communiquer les souffrances de ces populations à l'extérieur. Et c'est ça qui n'était pas accepté par certains. Les Soviétiques pouvaient avoir des espions partout dans le monde. Donc, s'ils savaient qu'il y aurait des étrangers, ils savaient qu'il y avait beaucoup d'étrangers d'associations humanitaires qui allaient en Afghanistan. Alors, ils pouvaient faire... je ne sais pas les termes utilisés, pour faire des tueries ou bien empêcher les associations humanitaires d'aider les Moudjahidines. C'est pour ça qu'il m'a dit il ne faut pas le dire à personne. Alors, je ne sais plus si c'est correct, on dit on va faire un voyage en Europe. Je pense pour lui, il y avait, et pour moi peut-être dans une moindre mesure, mais pour lui en tout cas, c'est une question simplement de ne pas alarmer les parents ou les amis que l'on aime et qui nous aiment, parce que bon, c'est pas une destination de vacances. J'avais dû faire un passeport, et il y avait deux, trois choses à faire que le week-end on pouvait pas faire pour un passeport. J'avais dû demander à mes parents qu'ils le fassent, et puis c'est en faisant ces choses qu'ils se sont doutés, il va pas faire un tour en Europe. Toute cette période était un petit peu secrète et mystérieuse, puisque la préparation du voyage a été tenue secrète. Finalement, c'est que trois jours avant de partir qu'il a dévoilé à toute la famille la destination de son voyage, donc l'Afghanistan. Je dirais bien entendu, tout le monde s'est fait quand même du souci. Et puis finalement, on était devant le fait accompli, puisque le départ était prévu trois jours après. Mais il y avait toute cette peur de voir partir pour nos parents, de voir partir leur enfant pour une telle destination. Je le savais que je partais en Afghanistan. On sait où tu vas en Afghanistan. Je dis pas, ah non, pourquoi? Mais non, ça m'a expliqué pourquoi. Après coup. Je ne me souviens plus exactement de tous les épisodes de notre périple pakistanais, mais ça a duré, si je me souviens bien, 2-3 semaines, donc c'était long, ce qui a permis effectivement de réfléchir par rapport à différentes choses. Effectivement, rencontrer des gens qui, eux, avaient vécu la guerre et qui parlaient donc encore autrement de la guerre, qui parlaient autrement de la souffrance comme étant des choses qu'ils avaient eux-mêmes vécues. Et donc, je pense que c'était l'abstrait qui était remplacé progressivement par quelque chose de plus en plus concret. Arrivés au Pakistan, Paul et Olivier font la connaissance de réfugiés afghans. Leur projet devient tout à coup très concret. À cela s'ajoutent des conditions de vie difficiles et les premiers doutes qui apparaissent. J'ai toujours ça en tête. Quand on était au Khyber Hotel à Peshawar, après un petit mois, 2-3 semaines, j'avais dit que je voulais rentrer en Suisse. Et c'est là qu'il m'a dit, non, t'es pas venu ici pour rien, alors on y va maintenant.
Je veux dire, c'était pas facile, il faisait très chaud, on mange différemment, l'hygiène est quand même précaire, donc on tombe malade, des genres de choses. Donc, ça fait réfléchir, effectivement. Est-ce que je tiendrai? Est-ce que je serai à la hauteur, etc. Donc il y a beaucoup de questions, effectivement, qui viennent à l'esprit et qui peuvent faire douter. Durant les 4 semaines passées au Pakistan, Paul et Olivier recherchent des contacts susceptibles de les aider à traverser la frontière pour se rendre en Afghanistan. Il faut un réseau d'individus qui vous permettent d'éviter les obstacles et qui vous permettent d'arriver à bon port. Donc effectivement, le réseau commence en Europe par des contacts d'individus qui sont eux-mêmes en contact avec d'autres, etc. On arrive au Pakistan, on rencontre d'autres personnes qui vont nous mettre en contact avec d'autres personnes en Afghanistan, etc. Donc c'est un réseau d'individus. Peshawar vivait ou vit encore des frères du feu comme le Massoud. Et puis c'est lui qui s'est occupé de notre passage à la frontière, quoi, de changer l'argent, puis ensuite d'organisation pour aller en Afghanistan. Vendredi 3 juin 1988, Pakistan, Peshawar. Le taxi nous conduit au Sadar Bazar, et plus précisément au Raibar Hotel. Une fois installé, écriture dans mon carnet de bord et apprentissage du Dari. Ensuite, vers 13h15, départ pour prendre un bus qui va nous conduire vers les extérieurs de Peshawar pour rencontrer un ami de Paul qui connaît le frère de Massoud. Ceci afin de préparer notre mission vers l'Afghanistan. Un jour, on nous a dit, voilà, ce sera aujourd'hui ou cette nuit, et en général, c'est la nuit qu'on passe la frontière, parce qu'évidemment, elle est moins bien gardée. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas deux, mais qu'on est 10, 15, 20, qu'il y a des chevaux, des ânes, et tout d'un coup, le convoi bouge et avance et on passe. Passer clandestinement la frontière pour apporter une somme, qu'elle soit grande ou petite, dans des montagnes assez écartées, c'est un exploit. Le passage de la frontière et le fait de rejoindre, par exemple, Massoud et les chiens dans le Panjshir, c'était pas facile. Il fallait gagner d'abord ces zones reculées du Pakistan, au nord du Chitral. Il fallait franchir ensuite des questions très difficiles, le plus souvent à pied, parfois sur une monture, des cols qui dépassent 4000 mètres, des journées très pénibles, des voyages accidentés, la neige, la glace, des pentes extrêmes, parfois des risques d'attaque ou d'embuscade ennemie. Et il y a là un exploit, le fait même de passer ces frontières de montagne difficilement franchissables représente déjà un exploit. Ce qui est difficile dans cette aventure, dans cette marche, c'est qu'on ne sait pas quand on peut s'arrêter, on ne sait pas quand on aura à manger, on ne sait pas, etc. Donc, on est mouillé, mais on ne sait pas quand on pourra se changer, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas une marche. Il faut en tout cas pas l'imaginer comme une marche telle qu'on peut la faire dans le Jura ou dans les Alpes. Sur une photo, j'ai un ami Azizullah qui est bien pâle, bien en mauvaise position parce qu'il est plus que malade. Et puis moi, qui était là, qui le poussait, vas-y, pour l'avance, avance. Et là, Olivier, elle aura été très solidaire. Ce qui est justement dans ce genre de situation, d'être à deux, de partager les doutes et de partager les épreuves. Ce qui est intéressant, c'est ce sont des routes dans les montagnes, donc il n'y a pas de nombreuses routes, il y a un sentier en quelque sorte. Donc on croise les gens.
On croise des gens qui arrivent dans l'autre direction, ou des gens qu'on dépasse, ou qui nous dépassent. Et ces rencontres sont des moments où justement on essaye d'obtenir de l'information. Où se trouve la première halte, ou la prochaine halte, ou le col est à combien, etc. Donc, c'est des moments privilégiés où on essaye de grappiller un tout petit peu d'informations qui permettent de soulager un peu cette, cette angoisse parfois même. Quand on est à 4000 mètres d'altitude, dans la neige, et qu'on ne sait pas quand on va manger, c'est vrai que c'est des situations un peu difficiles. Vendredi 8 juillet 1988. Levé à 4h et départ à 4h15 pour franchir le col de Diwane Baba et par la même occasion la frontière. Nous marchons à nouveau, presque sans pause, jusqu'à 8h30. La montée est très pénible, surtout sans avoir bu et mangé. Nous sommes déjà un bon bout en Afghanistan. Une heure de marche et nous arrivons à un abri. Il est 14h15. Les guides décident de passer la nuit là et d'acheter un mouton pour la bouffe du soir. L'endroit est idyllique. La rivière forme un lac aux couleurs magnifiques dans le fond de la vallée. Je sais qu'on a passé à travers beaucoup de villages. Et puis, j'ai toujours en tête... Dashterewat, c'est le premier village de la vallée du Panjshir. Panj, 5, Shir, Lion, donc la vallée des 5 lions. Et c'est là que le Somali donnait l'argent au feu commandant Massoud, qui est d'ailleurs venu nous rendre visite. Dès leur arrivée, ils remettent l'argent aux Moudjahidines qui le redistribuent dans les villages avoisinants et reçoivent la visite du commandant Massoud. Je pense qu'il y a, indéniablement, il y a une grande joie. La joie est double. Premièrement, c'est d'avoir effectivement des moyens d'acheter différentes choses, la nourriture, etc. Donc ça, c'est évidemment une joie qui est très grande. Et en plus, quand on a les gens qui l'amènent, parce qu'on peut recevoir des sacs sans personne qui l'accompagne, mais là, c'était... non seulement des moyens pour survivre, pour panser des plaies, mais c'était des gens qui les amenaient, des gens qui venaient de l'extérieur. Donc à la première joie s'ajoute une seconde qui est l'impression pour les gens sur place de ne pas être abandonnés. Et je pense que, outre ce premier objectif qui était d'apporter cette aide, c'était aussi de récolter des informations sur la situation humanitaire dans ces régions pour témoigner justement. On avait aussi cet objectif-là qui n'était pas clairement défini. On n'avait pas de mandat journalistique, on n'avait pas de rien de tout ça, mais c'était plus essayons, voyons ce qu'on peut faire pour, outre amener de l'aide, c'est aussi ramener en Europe et en Suisse quelque chose, donc de ne pas revenir les mains vides. C'est donc sous la surveillance d'un groupe du Jamiat Islami que Paul et Olivier vont poursuivre leur périple dans le nord du pays. Alors avec le groupe avec lequel on était, donc le groupe de Massoud, c'était totalement libre. Et ils nous ont fait une confiance extraordinaire. On s'est déplacé où on voulait, quand on voulait. On nous mettait à disposition un guide. Donc c'était extrêmement libre, remarquable. Avec lui, on était sous son influence pour se balader, pour visiter le nord du pays. C'était avec son parti qu'on aille n'importe où. Il y avait toujours un ou deux moudjahidines qui devaient faire attention à nous. Une fois, nous sommes montés, je ne sais plus le nom, parce que les Moudjahidines allaient faire une attaque contre les communistes le long de la route du Salang. Le Salang, c'est la route qui monte depuis Kaboul, qui va jusqu'au Tadjikistan, Ouzbékistan,
à l'époque, c'était qui allait en Union soviétique. Lundi 15 août 1988, vers 14h45, une explosion d'obus juste au-dessus du poste militaire surprend tout le monde. Nous décidons de rejoindre la zone de combat. Nous progressons de couvert en couvert. À la jumelle, j'observe le convoi et quelques types qui commencent à piller le camion de tête. Nous décidons alors de rejoindre la route. Et à un moment donné, les moudjahidines sont venus et nous ont dit oh, je ne sais plus comment dire, ben partez, parce que les soviétiques arrivent. Et nous, on dit non, on reste pour prendre des photos et tout. À un moment donné, on est quand même monté, parce qu'on a vu. On avait vu des chars soviétiques qui arrivaient. Et peut-être une dizaine de mètres plus haut, qu'on a pris plusieurs photos où les moudjahidines discutaient avec les soviétiques. Puis ça, j'ai la photo. Je crois que Massoud, il avait passé un accord avec les soviétiques le long de la route du Sanang. Le retrait soviétique étant agendé, les Russes n'interviennent plus dans les combats qui opposent encore les moudjahidines aux communistes afghans. Ces derniers, désormais seuls face aux résistants, livrent leur dernière bataille. Paul et Olivier assistent ainsi à de nombreux combats, mais toujours en retrait, afin de garantir leur sécurité. Quand on voit la guerre, on se rend compte des horreurs aussi qu'a la guerre, donc on n'a pas forcément envie de contribuer à ça. Et le fait de prendre des photos aussi nous empêche nous préserve d'être complices finalement de ces horreurs. Donc eux se battaient pour des raisons qui leur étaient propres, c'était leur pays, leurs gens qui mouraient, etc. Donc ils avaient une raison. Nous, le fait de témoigner, je pense, était jugé suffisant. Les Afghans sont, y compris ceux qui combattaient régulièrement, c'est des gens tellement humains, tellement naturels. Dès qu'ils posaient le fusil, ou même quand ils avaient le fusil en main, c'était des gens avec lesquels on discutait de tout et de rien, de fleurs, d'enfants, etc. Donc il n'y avait pas cette ambiance belliqueuse qu'on peut imaginer, même si on est dans la guerre. C'est une culture différente. Puis je pense que c'est également pour cette raison quand il y a des gens qui sont inconnus, ben d'autres que dans un village ne connaissent pas, ils les accueillent. C'était un peu plus nous, parce qu'on faisait partie des ONG. Je pense, moi, c'est surtout pour cette raison qu'on était très bien accueillis. Je crois que l'Afghanistan est un des pays, ce n'est pas le seul au monde, qui laisse une marque très forte sur ceux qui le visitent. Il faut dire que les Afghans aussi sont des individus fascinants et ils demandent notre attention, ils nous offrent beaucoup d'eux-mêmes et les relations qu'on a avec eux sont souvent très intenses. Quand on arrivait dans les villages ou bien dans des... Pour se voir de temps en temps, une maison, tout ça, les gens nous accueillaient, il fallait aller voir boire le thé. Puis comme on disait toujours, bichi bichi, boho boho, ce qui veut dire asseyez-vous et mangez. Je raconte ça, mais parce que j'ai des photos, mais je m'en souviens pas. De l'impression que j'ai eue. C'est la photo qui me revient, beaucoup de choses. C'est pas. Je sais pas comment expliquer ça, quoi, c'est la. C'est la mémoire, la photo. Que de la photo. Rien des alentours, la photo. C'est la photo.
Mercredi 24 août 1988, nous subissons notre première pluie en Afghanistan. Avant de m'endormir, j'écoute les nouvelles sur Radio France Internationale. Police a attaqué des grévistes en Pologne. Échange de coups de feu entre réfugiés afghans et combattants de la foi près de la frontière irano-afghane. Massacre dans un pays africain, trouble au Soudan, relance du débat sur la peine de mort en France après l'assassinat d'une fillette de 5 ans. Pluie diluvienne au Tchad, Beckenbauer a fait appel à 5 nouveaux joueurs pour sa tournée européenne. En ce début de novembre 1988, la question du retour en Suisse devient de plus en plus présente. Une limite qu'on s'est fixée, c'était d'être de retour avant l'hiver, parce que c'est des conditions extrêmement difficiles en Afghanistan, l'hiver, les écoles sont fermées, donc on aurait été certainement, en tout cas potentiellement, coincé. Donc voir notre retour au Pakistan et en Europe hypothéqué si on était resté trop longtemps. C'est tout à fait possible que je ne voulais pas rentrer. Parce que c'était bien, mais j'étais plus que malade. C'est possible que l'ami Azizullah m'ait dit « c'est mieux, faut qu'on rentre à cause de ça ». On a appris qu'un groupe de Massoud rentrait au Pakistan et ils nous ont dit « si vous voulez vous joindre à eux, allez-y ». Et comme j'ai dit tout à l'heure, se joindre à un groupe, c'est plus sûr. Donc en fait, se joindre à ce groupe, ça a été non seulement un avantage de sécurité, mais aussi un avantage de logistique. C'est clair, bénéficier d'un camion, ce qui est organisé par eux, qui est payé par eux, qui connaissent les axes et les itinéraires à suivre que nous ne connaissons pas. Tout ça, ce sont été des facteurs qui nous ont dit, c'était le facteur déclencheur finalement. On a appris ça, on dit, on se joint à eux et on est parti avec eux. Le voyage jusqu'au Pakistan dure une dizaine de jours. Le trajet qu'emprunte le groupe auquel Paul et Olivier se sont joints se déplace passant de camion en voiture, dans des conditions de sécurité parfois précaires. C'est toujours une chose qui me restait, c'est durant le mois de novembre. On regagnait le Pakistan en voiture, tout, et à un moment donné, on avait dû se mettre à couvert parce que ça faisait bombarder. Je ne sais pas si c'était des balles amicales ou pas, mais je ne pense pas que c'était des balles amicales. Et puis, on vient là pour vous aider, et on ne peut même plus partir sans être en vie. On se fait bombarder. C'est juste ça qui m'a un petit peu marqué. Quand tu m'as marqué, c'est ce qui m'a marqué en relisant mon livre de bord, quoi, c'est tout. Mais sur le moment, je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas quelle impression elle avait eue. Jeudi 10 novembre 1988, levé 5h30. Après la prière, nous allons jusqu'au véhicule. À peine avions-nous fait 200 mètres qu'un obus saute à notre gauche. Après l'arrêt des coups de feu, nous rejoignons un endroit sûr pour le déjeuner. Les commentaires vont bon train concernant les coups tirés. Les chiites qui nous accompagnent disent que c'est leur présence qui explique cette embuscade. C'est soit à cause d'eux, soit à cause de nous que le feu a été déclenché ce matin. Finalement, Paul et Olivier regagnent le Pakistan et sa capitale, Islamabad, sains et saufs. Ils se rendent directement à l'ambassade de Suisse pour faire prolonger leur visa et permettre ainsi leur retour à la maison. Lorsque Oli était rentré de voyage,
J'ai découvert en fait tous ses récits, toutes ses photos, tout ce qu'il avait emmené, ramené le voyage. Et puis aussi finalement d'apprendre que le but du voyage avait été atteint puisqu'ils avaient rencontré le commandant Massoud. Et je dirais pour moi de découvrir ce qu'il avait fait, j'étais plus... C'était mon grand frère, quoi. J'étais plus admiratif. C'était un petit peu comme dans un film. Tout le monde était heureux de le retrouver, je dirais, sain et sauf à la maison. Je pense que ça a été pour lui un grand tournant dans sa vie. Je pense au niveau de la découverte du monde, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres groupes humains, mais aussi de l'éclair de lui-même. Ce qui a changé, c'est que très rapidement à son retour, il a manifesté le désir d'y retourner rapidement. Ça, c'était un voyage marquant. D'ailleurs, il est retourné quelques fois, pas en Afghanistan, mais au Pakistan. C'était un grand pas en avant. Et il s'est dit, je peux le faire. Pourquoi pas le poursuivre, en quelque sorte. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, lui il est là, fabuleux fait carnet. C'est possible, c'est tout à fait possible que ça soit Azizullah. Il m'a dit c'est bien, si t'écris ce qu'on fait, notre voyage, comme ça tu te rappelles après au moins. Tu sais où t'es allé, tu sais ce que t'as fait et tout. Et puis je pense, c'est pour cette raison que je l'ai écrit. Je redécouvre. Quoi, je redécouvre. Non, mais il n'y a rien qui se passe dans mon cerveau. On peut pas. Ah ouais, oui, ah non, ah oui. Rien du tout. Je ressens rien. C'est comme regarder la photo, quoi. Il n'y a que la photo. Rien qui se passe. Souper, chorba, mouton, pain, thé, raisin. Suite, sans discussion, puis dodo. Donc c'était le soir. Oublie. Lors de notre premier voyage à Tulkan, on avait aperçu un renard le long de la route. Pourquoi ai-je écrit ça? Je pense qu'il y a également la chasse au renard là-haut. J'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du... C'est mon livre de bord, de mon premier voyage. Simplement pour cette raison. Ouais, bah... Indirectement, il y a encore autre chose. Mais quoi exactement pour le moment, je ne peux pas le dire, d'écrire. Février 1994. Ce soir-là, Olivier assiste à une soirée de soutien en faveur d'une association humanitaire. On avait passé en fait toute la soirée ensemble, avec ma sœur, enfin avec notre sœur. Et je crois que c'était la première fois qu'on se retrouvait les trois. Il y avait également d'autres personnes, mais on se retrouvait les trois frères et sœurs réunis hors du cadre, je veux dire familial, sans nos parents. Donc on a passé toute la soirée ensemble, une bonne partie de la nuit. Et puis c'est en fait à 9h le matin, notre maman m'a téléphoné pour nous annoncer la nouvelle. Donc Olivier a fait un grave accident de voiture. Je me suis endormi au volant de ma voiture. Et puis vu que je suis menuisier, j'aime bien le bois. Mais il y a un arbre qui m'a bien accueilli. Et j'ai failli mourir. Nous sommes allés à Lausanne, au CHUV, voir Oli. Et puis, son état est assez critique.
les appuyer en guerre, ou des balles nous passent tout près, ou vivre une autre vie, la vie différemment, on risque la vie partout. Au bout de 3 semaines, je crois, au bout de 3 semaines, oui, il a commencé à ouvrir les yeux. Et puis c'était un sentiment, je dirais, d'impuissance de le voir allongé, avec les yeux ouverts, le regard vide. Pour tout le monde, c'est le choc. Olivier a perdu la mémoire. Et puis finalement, je dirais petit à petit, son état ne nécessitait plus de soins particuliers. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de la Béroche, où là, il était dans un état semi-comateux. Et c'est là aussi qu'il s'est gentiment réveillé. C'est ma maman qui m'a dit, juste en étant dans l'état mi-comateux, qu'arrivait gentiment au bout, elle m'a dit que j'ai dit Allahu Akbar. Moi, j'ai l'impression que l'Afghanistan exerce une attraction extraordinaire, extraordinaire. Des gens qui... Je ne connais pas de pays personnellement où ils laissent une telle marque sur ceux qui y sont allés. L'Afghanistan est là en moi, mais je ne réalise pas. Je ne me rends pas compte, c'est tout. C'était le premier voyage de ma vie. Donc, il est quelque part par ici. Le passé afghan d'Olivier refait peu à peu surface. Ses proches sont les témoins directs de cette période. Dès le début, chacun a continué de, je dirais, communiquer avec lui, de lui parler, enfin, je dirais, chacun à sa manière. Quand j'ai commencé à un peu voir les choses, maman qui m'a dit, tu m'as demandé qui c'était l'homme avec moi. Et c'était mon papa. Je dirais que nos parents ont fait un... On fait vraiment un énorme travail, ils sont vraiment occupés de lui. Oui, ils sont allés le voir, ils ont vraiment tout fait pour lui. J'étais, je crois, le seul patient qui avait de la visite tous les jours. Donc indirectement, il y a aussi ça qui est dans le rétablissement. Puis son état s'est lentement, je dirais, amélioré, en tout cas suffisamment pour ensuite... aller dans un centre de rééducation, où là, un programme de plusieurs mois quoi l'attendait. Olivier passera près de 9 mois en clinique, où il devra réapprendre à manger, à parler, ou encore à écrire. C'est assez difficile de le voir en même temps progresser, et puis on se demandait toujours jusqu'où il allait progresser, en fait. Mais c'est sûr qu'il existe Oli avant l'accident et il y a Oli après l'accident. C'est quoi les émotions? On m'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est la joie ou la tristesse. Mais pour moi, en ce moment, c'est toujours... une ligne. Ça m'est resté, c'était un mardi, à 10h le soir, on se couchait, à 1h, maman qui téléphone pour dire que mon papa est parti. Le premier jour que tu es allé à la morgue,
En sortant, une des secrétaires de l'hôpital, elle me voit remonter depuis, parce que la morgue elle est au sous-sol. Elle me voit remonter, elle me fait exactement comme elle a dit, je ne sais plus. Ouais, t'as un rendez-vous, ben, qu'est-ce que tu fais par là? Non, ben, j'ai juste fait une petite visite à mon papa. Puis là, elle a complètement changé son visage. Non, c'est pas vrai, parce qu'elle n'était pas au courant que mon papa était mort. C'est juste là qu'il y avait une espèce de petite goutte à mon œil. Juste ça. Après une année et quelques mois, il est rentré à la maison. D'autres choses ont démarré, en fait. Il avait perdu la mémoire. Donc nos parents, enfin nous, toute la famille, on a essayé de lui rappeler des souvenirs. On a essayé de quelque part reconstruire sa mémoire à travers les photos, à travers les commentaires, lui présenter la famille, ses amis, ce qu'il avait fait. Et pour lui, mais bien sûr, ce qu'il a aussi marqué, c'est de retrouver ses photos, les voyages qu'il avait faits. Ça, c'était une découverte importante pour lui. Petit à petit, il posait forcément beaucoup de questions. Pourquoi il était parti là-bas, ce qu'il avait fait, il était surpris de découvrir qu'il était parti en Afghanistan, de voir tout ce qu'il avait ramené. Puis je dirais assez rapidement, il s'est intéressé à tout ce qui se passait en Afghanistan. Il a retrouvé ses habits qu'il avait mis lors de son voyage, qu'ils n'ont plus quitté et qu'il porte toujours actuellement. Bon, je ne suis pas du tout un psychologue, mais je pense que ça paraît assez normal qu'il reprenne l'identité qu'il a le plus marquée dans sa vie. Et donc, il a cherché à reconstituer son identité autour de ça. Il a plein de photos, bien sûr. Il se rappelle plein de choses aussi quand il voit ces photos. Mais là, quand même, à cause des carnets de notes, carnets de route qu'il avait, à cause des photos, etc., je pense que ça a été quand même le pilier autour duquel se reconstituer son identité. Effectivement, son carnet fait partie des grandes découvertes de ce qu'il avait fait. Une fois après son accident, je me suis permis de lire. J'étais stupéfait de lire ce carnet de bord où il notait tous les jours ce qu'il faisait. C'était comme en lisant ça, on a l'impression d'être avec lui en voyage. Ce carnet ne l'a plus quitté depuis qu'il l'a découvert. Après ça, il a aussi lu. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué également, puisque de lire ce qu'il avait fait, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui avait fait. Et je pense que ça a été très important pour lui. Je pense que c'est l'expérience la plus forte qu'il ait vécue. Pas seulement parce qu'il y avait un contexte de guerre, mais c'était un contexte de découvrir en Afghanistan et de rencontrer, même à travers la guerre, des gens avec lesquels il a pu avoir, même sans savoir la langue, un contact aussi proche. Ça l'a tellement marqué que c'est justement ce à quoi il s'est accroché ensuite. Et puis ensuite, il avait écrit, et c'était la première fois probablement de sa vie, où il écrivait ce qu'il faisait au jour le jour. Parce que quand on écrit un journal, quand on le relit, eh bien, on revit ça, on le revit même deux fois, on le revit comme on l'a vécu sur le moment et avec l'expérience qu'on a eue ensuite. Il l'aurait probablement relu, même sans l'accident, mais disons, il ne l'aurait pas relu de la même façon. C'est pour ça que ça a été, je crois, la chose la plus extraordinaire qui ait pu lui arriver pour,
récupérer. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est revenu en mémoire, ou si c'est le fait de voir les photos, qu'on lui parle, qu'on lui explique comment il était, ce qu'il avait fait, si c'est ça finalement qui a reconstruit sa mémoire, ou si c'est lui vraiment qui se souvient de choses précises. À cause de l'accident, plusieurs choses ont été détruites dans mon cerveau. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Inch'Allah, ça va tout revenir. On peut imaginer qu'est-ce qu'aurait été sa convalescence sans ce voyage. Sur quoi est-ce qu'il se serait concentré? Ça, je ne sais pas. Intéressant. Non, Olivier, c'est une leçon de vie pour chacun d'entre nous, je pense. À mon avis, il est très intelligent. Très, très intelligent, parce qu'il sait maintenant, au fond, exactement jusqu'où va sa mémoire et ce qu'il est obligé de prévoir pour avoir une vie normale. Il est marié, il a des enfants, il voyage. Il voyage beaucoup plus que nous. Incroyable. Même après son accident, il était parti, je crois, en Nouvelle-Zélande, à apprendre l'anglais. Maintenant, il fait de nouveau un tour du monde. Il trouve toutes sortes de moyens pour pouvoir travailler, gagner sa vie, élever ses enfants. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que ce soit, disons, à partir de ce rapport qu'il a eu avec l'Afghanistan pendant quelques mois, qu'il soit arrivé à se reconstruire toute une vie jusqu'à pour la fin de ses jours. S'il y a une chose que l'Afghanistan a fait de bien, eh bien c'est d'avoir permis à Olivier de Brodard de se reconstruire. Et ça, je trouve ça merveilleux.